Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, ce nouveau podcast sur lequel je vais vous parler des assistants virtuels. En fait, on va dire de la délégation plus globalement, puisque ce n'était pas vraiment uniquement des assistants que j'avais, mais surtout des personnes à qui je déléguais certains travaux, comme la rédaction d'articles de blog. J'ai eu plusieurs dizaines d'articles de blog qui ont été rédigés par des rédacteurs étrangers, des rédacteurs donc virtuels, on appelle ça donc des assistants virtuels, et donc qui me permettaient d'effectuer donc cette tâche. Voilà, bon, j'ai pu en effectuer quelques autres avec eux et voir un petit peu comment ça se passait. Et maintenant, j'ai un véritable retour d'expérience à vous transmettre par rapport à ça. Qui d'ailleurs rejoint d'une certaine façon le livre de Timothy Ferris, La semaine de 4 heures, dans lequel il donne des conseils très précieux qui m'ont permis notamment d'éviter de faire trop d'erreurs dès le départ. Alors je vais un petit peu synthétiser ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire avec des assistants virtuels. Donc pour ma part, j'ai trouvé mes assistants virtuels sur Portail et Madagascar, qui est donc un portail qui propose du travail rémunéré, hein, et donc des personnes qui, voilà, qui peuvent faire différentes tâches. Ça passe de la rédaction au référencement, ou tout travaux vraiment d'assistants virtuels, c'est-à-dire prise de rendez-vous, renseignements. Enfin, tout un tas d'éléments comme ça qui peuvent faire, qui sont à la possibilité d'une personne qui ne serait pas présente physiquement finalement, mais qu'elle peut effectuer des tâches qu'elle peut effectuer directement sur Internet. Alors, Timothy Ferris, dans son livre, dit que il est indispensable de passer par la case assistant, ne serait-ce que pour apprendre à manager, pour apprendre à gérer une équipe. Je suis assez d'accord avec ça, dans la mesure où vous allez comprendre, en fait, ça va vous ouvrir les yeux sur pas mal de choses. Et notamment, ne serait-ce que sur une chose qui est fondamentale, c'est le principe d'efficacité. Quand vous avez un assistant qui travaille pour vous, il faut le payer. Donc, vous devez toujours penser rentabilité. Parce que si vous n'êtes pas rentable, vous ne pourrez pas le payer. Donc, ça va, si vous voulez, plus vous faciliter vos choix stratégiques et plus vous orienter donc vers la rémunération la plus rapide et la plus efficace possible. Voilà. Donc déjà, ne serait-ce que pour ça m'a été vraiment bénéfique parce que quand on a un assistant qui travaille pour nous, même si on ne le paye pas forcément super cher, on est quand même obligé de lui assurer un revenu et donc on est obligé de se bouger les fesses en fait et d'être efficace surtout. Voilà. Alors qu'on aurait peut-être plus tendance à prendre entre guillemets notre temps si on n'a pas comme ça des échéances rapides à traiter, surtout en termes financiers. Alors, je vais vous donner des conseils pour gérer des assistants. Je vais vous donner des conseils que j'ai moi-même. Écouter d'autres que, enfin, certains que j'ai appliqués, certains que j'ai moins appliqués. Alors, premier conseil quand vous avez un assistant virtuel, et ça c'est du bon sens, évitez de n'en avoir qu'un seul pour des tâches qui sont indispensables et à courte portée en termes de temps. Pourquoi? Parce que imaginez que vous ayez quelque chose d'indispensable à faire très rapidement et que votre assistant tombe malade. Eh bien, ça peut vous obliger à retarder par exemple un voyage. Et c'est l'exemple qui est pris dans le livre de Timothy Ferris, mais c'est totalement vrai. Les assistants parfois prennent du retard, parfois ne sont pas disponibles, parfois leur connexion internet coupe. Hein, ça arrive à tout le monde. Voilà, même en France, hein, on a encore des équipements internet qui sont un peu entre guillemets anciens et qui ne sont pas forcément hyper efficaces. Donc voilà, enfin, c'est toutes des choses à prendre en compte. C'est qu'il peut y avoir des éléments extérieurs qui peuvent comment dire, empêcher un assistant de faire son travail à temps. Donc tout ce qui est tâche indispensable, prévoyez
une équipe d'assistants. Donc ça veut dire tout simplement peut-être une agence étrangère qui va se charger donc de faire ce travail. Maintenant, on a en France certains services qui se développent par rapport à ça. En termes de coûts, alors il faut voir ce que ça donne, mais bien évidemment, on ne calcule pas seulement le coût horaire. Hein. Quand on travaille comme ça avec des assistants, on regarde le coût à la tâche. Ça veut dire pour telle tâche, j'ai payé tant. Et c'est pas finalement le coût horaire qui va être important, puisque vous avez quelqu'un du CRU qui va pouvoir vous faire un excellent travail en une heure. Et vous avez quelqu'un de l'extérieur, par exemple, qui peut aussi vous faire un travail très médiocre en plusieurs heures. Donc, il ne faut pas raisonner uniquement en termes de coût horaire, de rémunération horaire, mais il faut fonctionner en termes et penser en termes de rémunération à la tâche. Ça, c'est hyper important. Combien ça me coûte d'avoir ça? La tâche réalisée étant un produit vendu, finalement. Alors, on va parler aussi d'une autre chose qui est hyper importante quand on demande une tâche à un assistant, et là il faut faire hyper gaffe, c'est tout simplement de lui demander où il en est rapidement. Parce que parfois, vous avez des requêtes qui pour vous sont évidentes, hein, comme vous êtes dans la continuité du truc, vous vous dites « bon bah c'est évident ce que je lui demande », mais quand quelqu'un arrive qui ne sait pas de quoi vous parlez, qu'il n'est pas dans votre tête et que il voit des mots, mais ces mots n'ont peut-être pas la même signification pour lui que pour vous, ou alors la façon de résoudre le problème, il ne l'envisage pas forcément de la même manière que vous. Donc c'est vrai que sur tout ce qui est tâche un petit peu, on va dire ardue, j'aime bien demander assez rapidement à l'assistant, par exemple au bout d'une heure, de me dire où il en est, ce qu'il a fait et comment il s'oriente dans la résolution du problème que je lui donne. Voilà, donc ça c'est un truc qui peut vous éviter bien des ennuis, à plus forte raison encore une fois sur des tâches indispensables et rapidement. Quoi. Indispensable rapidement dans le temps. Donc là, ça c'est indispensable de travailler avec vos assistants et de voir où ils en sont et comment ils ont avancé et où ils se dirigent. Donc demandez ça au bout d'une heure en général. On peut demander ça au bout d'une heure, demandez-lui où il en est. Éventuellement de vous envoyer son travail jusque-là, etc. Ça vous permettra de savoir s'il est sur la bonne voie ou pas, par rapport à ce que vous souhaitez. Voilà, donc ça fait déjà, on a déjà un petit peu parlé de ça. Alors, est-ce que c'est indispensable dans une entreprise, on va dire entre guillemets, à long terme, des assistants? Parce que c'est vrai que ça a un coût, même si on peut en trouver peut-être parfois moins cher à l'étranger, ça a quand même un coût, c'est des responsabilités, c'est quand même quelque part un petit risque financier parce que si vous n'avez pas les moyens de le payer, ça vous fera des dettes en plus. Donc, ok, est-ce que vraiment faire appel à des assistants au quotidien dans une entreprise est indispensable? Je ne pense pas. Pour ma part, selon mon expérience, je ne fais plus appel aujourd'hui à des assistants virtuels. Je ne fais plus non plus appel à des rédacteurs, en tout cas pour le moment. Pourquoi? Alors, je vais vous expliquer déjà un truc. C'est que le travail qui est fait, vous avez une certaine philosophie de votre propre travail. Et quand je prends le cas, par exemple, de la rédaction, j'ai une certaine façon d'écrire. Chaque personne, vous avez une certaine façon d'écrire, de communiquer, de faire passer vos idées. Voilà. Et ce sont des choses qui se travaillent et se peaufinent. Et le problème, si vous voulez, c'est que à faire appel à des assistants, en tout cas pour la rédaction de contenu, je me suis vite rendu compte que ça trahissait une certaine identité concernant mon personal branding. Donc ça, c'est à mettre en opposition avec le corporate branding, c'est-à-dire tout simplement mon image de marque, mais en tant que personne, en tant qu'entrepreneur individuel. À mettre en opposition donc avec une image de marque d'une entreprise qui communiquerait. C'est deux aspects différents de la communication. Il y en a une qui est plus orientée personnelle, celle qui est plus actuelle d'ailleurs, et une qui est plus orientée groupe entre guillemets. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est ce côté d'être proche, d'être complice et de créer vraiment
un dialogue avec les personnes, une complicité forte avec les personnes qui vont devenir donc vos déjà vos auditeurs, hein, vos visiteurs, vos visionneurs, et ensuite eh bien vos prospects, vos clients, vos ambassadeurs, etc. Voilà, et je trouve pour ma part que si on peut demander du travail technique à faire à nos assistants, il faut éviter de leur demander du travail de rédaction, du travail, voilà, de choses comme ça qui vont interagir sur la communication finalement de votre entreprise et qui vont impacter votre image de marque. Voilà, vous savez que l'image de marque, c'est vraiment important, hein. Si on donne une image de très grande qualité, on pourra vendre des produits plus chers. Voilà, parce qu'on aura simplement plus de crédit, plus de crédibilité tout simplement pour le faire. Donc ça, c'est vraiment un élément important. Maintenant, tout ce qui est technique, c'est vrai que c'est pas mal, par exemple, de donner des tâches, certaines tâches, à certains types de tâches plutôt à une équipe d'assistants et d'autres types de tâches à d'autres. Comme ça, bon, bah, ils sauront tout simplement comment faire le boulot. Ils sauront plus facilement comment faire le boulot parce qu'ils auront déjà un antécédent, quoi. Ils auront déjà fait un petit peu ce travail. Et comme on dit, un praticien averti en vaut deux. Alors, voilà, on a un petit peu touché à tous ces aspects de l'assistant virtuel. Donc il y a beaucoup d'éléments qu'on peut faire techniquement, hein, par d'autres personnes, montage vidéo, rédaction d'articles, référencement. Mais que ça, c'est plus de la sous-traitance peut-être. Mais tout ce qui est voilà, prise de rendez-vous, tout ce qui est mettre par exemple des contacts dans une base email ou transférer des clients dans une base email, envoyer des emails, voilà, vérifier les statistiques d'un site, voir faire du contact, faire un service après-vente par exemple, ou faire des sondages, gérer un forum, etc. Enfin voilà, il y a vraiment tout un tas d'éléments, tout un tas de choses pour lesquelles on peut recruter des assistants virtuels. Bien évidemment, le coût, souvent, hein, va déterminer la qualité du travail. Quoique, il y a certains cabinets, il y a certains cabinets d'affaires qui font, d'après Timothy Ferris, hein, c'est dans son livre, qui font appel à des assistants virtuels et qui refacturent le travail que eux n'ont pas fait mais que les assistants ont fait et qu'ils ont payé beaucoup moins cher et qui refacturent le travail beaucoup plus cher alors que finalement, eux, n'ont pas beaucoup travaillé sur le projet. C'est principalement les assistants qui ont fait le travail. Donc voilà, on peut aussi faire des espèces de montages comme ça, où on peut prendre des assistants pour faire un travail spécifique, hein, par exemple des spécialistes, ça peut être dans n'importe quel domaine, et puis refacturer nous-mêmes le travail à notre image, avec notre entreprise. Voilà. Donc après, tout est un peu modulable et on fait un peu tout ce qu'on veut. L'important, c'est de bien penser en termes de coût à la tâche et non pas de coût horaire. Parce que ça, c'est pas forcément très important, hein. Voilà, quelqu'un peut faire un très bon travail en très peu de temps, comme quelqu'un peut faire un travail vraiment médiocre en longtemps. Donc ça, c'est une donnée qui est très relative, et c'est pas ce qu'il faut retenir. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est j'ai ça pour tel coût. Voilà. Bon, bah, écoutez, il y a aussi un élément à prendre en compte. Est-ce que je dois faire appel à un assistant pour faire ce travail ou est-ce que je dois le faire moi-même? Et ça, c'est une question qui est intéressante. Alors, est-ce que je dois le faire déjà ce travail? Premièrement, c'est la première question à se poser. Donc, si le travail est indispensable, oui, il faudra le faire. Si le travail est plaisant ou si le travail, est urgent, et que vous n'avez pas le temps de faire appel à un assistant, etc. Enfin, si les conditions de réalisation du travail vont plutôt vous orienter vers vous ou vers votre assistant, mais il y a un élément à prendre en compte, c'est quand même, est-ce que ce travail vous plaît? Parce que ça, c'est un truc qui est important aussi. C'est pour ça qu'on parle de délégation. Parce que on peut pas tout faire dans une entreprise. Déjà, on n'est pas spécialiste dans tous les domaines dans notre entreprise, hein, c'est pas possible. Et un entrepreneur, il sait surtout s'entourer des personnes qui savent faire le travail. Donc la délégation, elle trouve vraiment son sens ici. C'est-à-dire que si le travail est indispensable, qu'il a à faire rapidement par exemple, et que je vais prendre du plaisir à le faire, ou que vraiment c'est moi qui ai les meilleures connaissances pour réaliser ce travail-là, il est évident que c'est moi qui dois le faire ce travail. Maintenant, si le travail
n'est pas forcément urgent, qu'il est pénible et puis qu'il est indispensable, alors là on va plutôt s'orienter vers un assistant. Et enfin, si le travail n'est pas indispensable, eh bien après c'est à voir. Tout simplement, si c'est un travail amusant, bon, pourquoi ne pas le faire puisque vous passerez du bon temps à le réaliser. Mais c'est vrai que s'il n'est pas spécialement intéressant pour vous, si ça vous plaît pas particulièrement de le faire et que en plus il n'est pas indispensable, bah écoutez, vous pouvez passer. On repart sur la règle de la loi de Pareto, hein, on repart sur les 80-20. N'oubliez pas de penser efficacité. Et ça, que ce soit avec vos assistants ou que ce soit dans votre propre gestion de votre travail, pensez efficacité. Et dites-vous bien que 80% de vos actions ne vont vous rapporter que 20% de vos recettes, de vos bénéfices, alors que 20% de vos actions vont vous rapporter à l'inverse 80% et bien tout simplement de votre chiffre d'affaires, de vos retours, de vos bénéfices, etc. Donc pensez bien qu'il est plus que temps de virer ces 80% qui ne vous rapportent que 20% et puis de passer vraiment à l'efficacité en misant tout sur les 20% de travail qui vont vous rapporter 80% de résultats. Et donc là, la question est posée par rapport aux assistants, parce qu'il y a certaines tâches, eh bien, il va falloir même pour vos assistants, eh bien, les supprimer ou alors les automatiser, mettre en place des process pour vraiment que ça soit beaucoup plus simple et moins coûteux en termes de temps et en termes de financier, tout simplement. Voilà. Donc j'ai à peu près fait le tour. Je pense vous avoir dégrossi le truc. Il y a un élément que j'ai pas dit qui est vraiment, moi je trouve, pour ma part, fondamental, c'est le côté humain, hein. C'est-à-dire que travailler avec une personne, c'est motivant aussi. C'est motivant parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui bosse sur votre truc, même quand vous dormez la nuit, ça c'est quand même quelque chose qui est assez plaisant, je dois dire. Votre business avance même quand vous n'êtes pas là, même quand vous ne vous en occupez pas. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment génial en termes de morale, en termes de sensation. On se sent bien quand on sait que notre truc avance, même si on n'a pas forcément tout le temps le temps de s'en occuper. Donc ça, c'est un élément aussi qui peut être déterminant, parce que eh bien, c'est se sentir aidé, sentir épaulé, sentir qu'on n'est pas tout seul, ça peut aussi être un élément qui favorise la réussite. Et bon, il faut bien sûr voir aussi le côté humain, le côté qu'il y a quelqu'un d'autre qu'on aide aussi, puisque de toute façon on le paye, donc on l'aide aussi, donc c'est un échange donnant-donnant, et c'est une formidable aventure humaine en fait, cette histoire de délégation, hein. C'est une formidable aventure humaine, et donc je vous invite à bien y réfléchir, puisque c'est effectivement quelque chose qui mérite d'être pensé, hein. C'est un élément à prendre en compte. Moi je sais que ne serait-ce que pour l'humain, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et mon retour à moi, c'est que vraiment, j'ai apprécié cette expérience de délégation. Je referai volontiers cette expérience-là quand mes affaires nécessiteront peut-être à nouveau l'usage, enfin, comment dire, voilà, l'usage de services comme ça, donné à déléguer, de délégation, quoi, tout simplement, hein, mais notamment d'assistant virtuel. Ben, écoutez. Vous avez donc des assistants virtuels, je vous le dis, donc qui sont sur Portail Madagascar. Je vous mets le lien dans la vidéo, sous la vidéo, sous le podcast. Je vous invite à me donner votre adresse mail dans le lien de la description de cette vidéo également, pour que je puisse vous envoyer 4 vidéos gratuites, privées, dans lesquelles je vais vous donner, et bien tout simplement, comment vous expliquer comment j'utilise certains outils sur mes business automatiques en ligne et comment je fais donc pour générer de l'argent sans m'occuper de rien du tout grâce à ces outils-là. Donc le lien est directement dans la description de cette vidéo, vous pouvez y accéder tout de suite et donc eh bien vous aurez accès à ces 4 vidéos, donc une vidéo par jour pendant 4 jours pour vraiment vous dégrossir le truc et pour vous montrer comment je fais gérer en fait par ces outils-là. Eh bien mon business. Donc là, c'est aussi un petit peu de la délégation quelque part, hein, puisque c'est ce qu'on pourrait dire, c'est des leviers en fait, hein, c'est des systèmes de leviers
parce que ben, je ne fais rien et ça se gère automatiquement. Et voilà, c'est exponentiel, quoi. Donc ça peut vous permettre de gagner beaucoup plus d'argent. C'est le système le plus rémunérateur qui existe à l'heure actuelle. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour de nouveaux podcasts sur la chaîne, pour de nouvelles vidéos. Mais en attendant, je vais vous dire un truc, c'est accrochez-vous, parce que je sais très bien, comme vous, je sais très bien que c'est vraiment pas facile. Parfois, il faut vraiment se bagarrer, il faut vraiment y mettre un bon coup de collier, qu'on va aller d'échec en échec, hein, probablement, mais qu'un jour ou l'autre, la réussite, elle est au bout, et qu'il faut donc bah, se bagarrer, hein, avec toute notre force, mais aussi toute notre persévérance pour réussir dans le monde entrepreneurial, pour réussir à monter votre truc et à faire de votre idée finalement une réussite. Donc je vous souhaite vraiment tout le succès que vos affaires méritent, que votre business mérite, et courage pour la suite, parce que ça ne fait que commencer, l'aventure ne fait que commencer, mais vous inquiétez pas, on sera ensemble dans cette galère. Voilà, à très bientôt, et portez-vous bien. Ciao, ciao!